l'instant, non. Pour l'instant, non. On va se taper 4 heures de vol et là, on va se rendre compte. Mais pour l'instant, non. On a fait un long voyage. On est arrivé, c'est vrai qu'il y a une température très élevée. Là, on s'est entraîné à 20h heure locale. Il fait un peu plus frais, donc ça a des bonnes conditions pour jouer. Voilà, maintenant, nous bien se reposer et pour être prêt demain à 21h. Et je mets le groupe dit bien, tout le monde est concerné, donc c'est important. Ma problématique, c'est d'être performant à chaque match. Voilà. Donc, c'est l'équipe la plus compétitive possible qui débutera à chaque fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, comme Limassol qui voudra se qualifier aussi. Nous aussi, on a la volonté, l'ambition de se qualifier, mais également on aura le temps. Penser, mais déjà c'est pour ce mois d'août d'être performant à chaque fois, à chaque match, que ce soit dans nos matchs de Coupe Europa, que ce soit dans nos matchs de championnat. Donc c'est quelque chose un petit peu d'obligé sur pour nous, pour moi, même si on a quelques blessés également, ou suspendus, qui nous empêchent notamment derrière d'avoir. Peut-être de la fraîcheur sur l'enchaînement des matchs. Mais bon, ce qui est important, c'est d'avoir cette ambition de tous les trois jours de faire un bon résultat. Ben, c'est une équipe avec des joueurs qui jouent au ballon, qui ont une bonne technique générale, qui repartent de derrière, qui essayent de poser le jeu. Peuvent allonger également sur Roberto, sur leur grand avant-centre de devant. Voilà, c'est une équipe à prendre en considération et j'ai beaucoup de respect pour cette équipe et pour le football chypriote qui a quand même, on le rappelle, causé pas mal de désagréments ces dernières saisons au club français. Donc voilà, il faut prendre les choses par le bon bout et surtout que c'est une équipe qui a des arguments. Et on sait que, d'autant plus qu'en Coupe d'Europe, ils sont surmotivés et ils seront capables encore d'élever leur niveau de jeu. Non, ça se passe plutôt bien. Au niveau du foot et au niveau de la vie, c'est agréable pour moi et ma famille, donc ça se passe plutôt bien. Comparaison à la Coupe de France, si Nice jouerait une Ligue 2 ou nationale sur un match, bon là c'est un match à la retour. Et sur un match, si Nice joue à son vrai niveau et avec sérieux et application, je pense qu'il devrait se mettre dans de bonnes conditions pour le match retour. 3-1 pour Nice.